Une équipe soudée, construite pour jouer le haut de tableau de National 1, mais repêchée en deuxième division à l'intersaison. C'est reparti. Non, ça, tu m'avais fait peur. Non, non. Les Sédoises ont redressé la barre. Deux victoires, 3-1 et un revers lors des 6 derniers matchs. Ah non, elle s'arrête. Oh, c'est bon le foin. Par 8 points de retard sur le premier non relégable à 5 journées de la fin. Leur avenir semble scellé. Ah, ça recommence. Elle essaie d'escalader la maison. Ah, ça c'est bien la première fois que je la vois faire ça. Et qu'on donne envie aux partenaires, aux spectateurs, et puis éventuellement aussi à d'autres joueuses de nous rejoindre. Ah, c'est ça, je crois. C'est énorme. Les Sélois affronteront 5 des 6 premières équipes du classement de 2ème division. Elle pète les plombs, c'est incroyable. Même le gros Titi, il faisait pas autant. Il faisait pas en... Allez. Non, il pouvait pas. 2 secondes et il s'arrêtait. C'était un feignant. Je rêve. Elle pète les plombs, un truc de malade. Autre mauvaise opération, c'est en... Oh, elle est dans le hamac. De Cognac à Monaco, 81 à 75. Mon petit pépé. Son cinquième de National 1. La Rochelle, qui ne joue pas ce week-end, fait huitième. Oh, laisse-la tranquille. Je vous rappelle le succès vendredi à New York face à Ajaccio de Buzin. Je vois la petite tête. On a fait une pause pour boire. Là, c'est trop dépensé.